décrire ce qui se passe en Grèce comme une tragédie, c'est peu dire. Tout d'abord, c'est quelque chose de totalement inédit, non seulement dans l'hémisphère nord de la planète, mais également au sud, au tiers-monde. Une telle agression, à tous les niveaux, contre une population, n'est jamais arrivée, au moins au dernier siècle. Les coupes au pouvoir d'achat dépassent désormais les 50% et parfois ils atteignent les 70%. Mais il ne s'agit pas seulement de ça. Il y a un tel démantèlement ou privatisation de tout. Désormais, envoyer les gosses au jardin d'enfants ou les anciens à l'hospice des vieillards coûte énormément. À condition que ça existe, évidemment, parce que la majorité des cas, ça n'existe plus. Les hôpitaux qui, selon une décision du ministre responsable, doivent diminuer leurs lits et leurs services de 40%. Le chômage est énorme et tout indique, et d'ailleurs le bureau de la Grèce l'admet ouvertement, qu'il va atteindre très probablement à la fin de cette année qui vient de commencer, probablement 30%. Chez les jeunes, c'est 1 sur 2 qui ne travaillent pas. C'est pourquoi par dizaines de milliers, les Grecs, surtout les jeunes, surtout les surqualifiés, commencent à émigrer comme jadis. C'est une vague, énorme vague de stress qui balaye le pays et qui s'est traduit à l'augmentation énorme des cas de suicide, réussis ou pas. Plus 40% l'année passée. Et voilà, et tout ça pourquoi? C'est qu'il y a une guerre. Il y a une guerre ouverte de ceux qui en ont trop contre l'immense majorité de ceux qui n'ont rien. Le malheur des Grecs provient du fait qu'ils ont été choisis dès le début par les bourreaux à nous tous, comme un cas test, comme un laboratoire, où les Grecs, la population grecque, est transformée en cobaye, sur lesquels on mesure les résistances des populations, de toutes les populations. S'il n'y a pas de résistance, oui, on aura un salaire de 100 euros. Mais on n'aura pas seulement un appauvrissement inimaginable, généralisé. On aura autre chose déjà expérimenté en Grèce et au-delà de la Grèce. On aura une démocratie parlementaire bourgeoise, même bourgeoise, tronquée totalement, où le Parlement ne compte plus, où le pays ne vote plus, où les parlementaires sont des figurants, où le Premier ministre, c'est n'importe quel banquier imposé d'en haut. On assiste à un retour, à une barbarie inimaginable, qui sera évidemment accompagnée, on ne peut pas l'exclure actuellement, par tous les attributs de telles situations et de telles luttes de classe exacerbées, où ceux d'en bas, apparemment, et pour l'instant, n'ont pas les moyens d'imposer leurs lois, c'est-à-dire des rapports de force un peu plus favorables.
Vous venez de quel pays? Tunisie. Et vous êtes arrivé ici depuis quand? 4 mois. 4 mois. Et vous êtes passé par la Turquie? Ouais, la Turquie. Et qu'est-ce que vous espérez maintenant? Vous voulez rester en Grèce? Non, rentrer à l'Europe, l'Italie, la France, la Belgique, c'est mieux qu'ici. C'est très difficile de trouver du travail ici. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici. On travaille ici. Pas de boulot ici. France. La France et la Grèce sont les pires pays en Europe, c'est ça? Voilà. Et le mieux alors, c'est l'Italie? L'Italie, la Belgique, Germanie. L'Allemagne. Toujours dérangement de la police, toujours. Ouais. Tu dis rien et t'apprends à la prison. Tu sors de Grèce. Vous avez déjà été arrêté? Oui. Ah, elle m'arrête 25 jours et l'autre 27 jours. 27. Elle est mise en prison ici? Oui. Et ils vous ont relâché quand même? Oui, ils m'ont relâché. Quand la Grèce a été acceptée dans la communauté européenne, on disait tout le monde, ah maintenant ça y est, plus de problème, on veut partir du club des civilisés. Finalement, de quelle civilisation? Desquels? Ce sont des gangsters. Jamais ils n'ont pas traité pays occupé, pays africain, de la façon dont ils traitent maintenant la Grèce. Elles ne sont pas seulement le Bosch. Vos amis Bosch, ils méritent. C'est ça qu'on montre. Ce sont les autres pays créanciers ou les autres amis d'Hitler, comme la Hollande ou l'Autriche, n'est-ce pas? Ils veulent à tout prix une victoire. Et il y en a qui disent non, ce n'est pas le revanchisme allemand, c'est la logistique capitaliste. Non. Ce qu'ils ont fait à la Serbie, par exemple. 2 millions de Serbes cherchaient des jeux après l'invasion de l'OTAN. C'est la nouvelle alliance des Allemands, c'est ça. Ils ont cherché 2 millions de Serbes pour installer des musulmans et d'autres peuples chez eux. Et ceci n'était pas une cause suffisante pour une troisième guerre mondiale, après laquelle on ne sait pas du tout ce qui restera sur la planète Terre. Voilà. Maintenant, c'est la Grèce. Ils ont une longue liste, les salauds, les boches. Samedi 28 janvier 2012, le parti fasciste Aurore Dorée réunissait près de 1000 personnes pour une marche dans le centre d'Athènes.
À la suite de la manifestation, des immigrés sont passés à tabac, dans le métro et sur une place publique. Le lendemain, on dénombrait 47 hospitalisations. Là, ce sont des habitants de la rue du 3 septembre, qui a perdu en 2 ans la majorité de ses commerces, qui manifestent pour attirer l'attention des autorités sur la dégradation vertigineuse de leur quartier, où s'est installé le trafic de drogue et la prostitution. Dans les grandes rues commerçantes d'Athènes, avant cet été, il y avait quelque chose de comme de 30 à 40% de magasins fermés à clé, pour toujours. Il y a encore 8-9 mois, il y avait 40 à 45% de pompes à essence du pays qui ont fermé. D'ailleurs, Athènes, qui était une ville méditerranéenne, aux traditions, une ville qui ne dormait pas. Effectivement, jusqu'à il y a quelques années, les Grecs, pas seulement les Athéniens, mais toute la Grèce, ils avaient l'habitude de sortir même à 10 heures du soir, un peu comme les Catalans, les Espagnols. Bon, petit à petit, cela a changé. Et actuellement, on peut dire qu'à 8 heures, le centre d'Athènes, l'Athènes plutôt, c'est comme Bruxelles, ou pire. C'est un cimetière. C'est des gens tristes aussi, sauf quand ils luttent, mais ils reprennent le moral. Toxicomanes, prostituées, clandestins, SDF, peuplent la nuit de ce quartier où le quadrillage policier les a concentrés. On voit des flics en civil harceler des clochards ou rançonner des dealers. On voit des corps mourir à petit feu. Les plus vulnérables sont à la fois les plus touchés par l'austérité et ceux qu'on peut le plus facilement accuser de la décadence du pays, puisqu'ils en deviennent le symbole. Bien sûr, tout le monde comprend que ce n'est pas la corruption des élites grecques formées à Londres ou à New York qui a ruiné la Grèce, mais sa trop grande générosité envers les aveugles. C'est donc là que la Troïka propose de faire des économies. L'église orthodoxe et les marchands de canons français ou allemands qui prospèrent sur le budget de l'armement peuvent dormir tranquilles, mais il faut maintenant être handicapé à 67% pour bénéficier d'une allocation. La famille est censée prendre en charge
toutes ces structures de l'État. Donc c'est même les jeunes qui ne travaillent pas, qui restent plus longtemps dans la famille. C'est aussi ces chômeurs qui très souvent ils ne partagent pas forcément le travail au sein de la famille, mais ils deviennent en plus une charge psychologique pour les femmes encore plus, parce qu'elle elle doit faire aussi tout le travail de soins psychologiques de la famille. Donc des jeunes, des maris, en plus les soins, et il y a aussi les vieilles personnes évidemment. Donc tous ces gens reviennent sur la famille, et surtout sur le travail des femmes qui doivent s'en charger. Et mais si on ne peut pas prendre en charge tous ces gens, quand la famille ne peut plus le faire, donc c'est l'exclusion sociale, c'est la descente aux enfers. Théo Angelopoulos, sans doute l'un des plus grands cinéastes européens, est mort jeudi soir, renversé par un policier en moto, sur le tournage de son dernier film. Quand l'accident est arrivé, évidemment, on appelait les ambulances. Et ils ont répondu tout de suite, ça s'est arrivé à un faubourg du Pirée, du centre d'Athènes, où est le dépôt des ambulances. On a envoyé une ambulance, sauf qu'elle est tombée en panne, à mi-chemin. Et alors, il y a encore quelques jours, le syndicat très combatif des travailleurs ambulanciers a fait, je me souviens très bien, son énième grève, protestant entre autres choses de l'état terrible du matériel. Ce n'était pas seulement leur salaire et tout ça, mais c'était les ambulances elles-mêmes. Je me souviens très bien qu'il hurlait que trois quarts des ambulances sont en panne permanente, parce qu'elles sont très vieilles, etc. Et surtout, le ministère ne paye plus. Et évidemment, pour avertir une deuxième ambulance, ça a pris du temps. Et le metteur en scène, sur l'asphalte, mourant, on a dû attendre 3 quarts d'heure, 45 minutes, pour qu'une nouvelle ambulance arrive et l'amène à un hôpital. Mais c'était déjà tard, apparemment. Et ils ont le culot de dire, le premier responsable de tout ça, que le responsable, c'est le pauvre salarié du service, les ambulanciers. Et ils ont ordonné même une enquête, quand tout parle, évidemment. Enfin, bref, Angelopoulos était avec les ambulanciers et c'était avec des syndicats de base du Pirée qui tournait son dernier film, comme lui-même l'a dit avant de mourir, dans une interview à une télévision italienne. Ici, on appelle, et c'est une association, oui, qui s'intéresse très beaucoup pour les immigrés. Ils nous ont donné cette place-là pour qu'on fasse des réunions, des fêtes et tout ça. Ok. Ouais. Ok. Et donc la réunion que vous aviez ce soir, c'est suite à une grève de la faim. Bien sûr. Qui a eu lieu quand ? Le 25 janvier. 2011. Oui. C'était une grève de faim qui a duré 44 jours. Dans ces 44 jours, on avait passé très 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 des difficultés pour ce qui concerne la faim, la santé, le froid. C'était quelque chose qui était très 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 difficile. Oui. Mais à la fin, on a réussi à pouvoir prendre notre égal. Nous sommes égaux. Ici en Grèce, on a la possibilité de partir chez nos parents, au pays natal, ouais, et tout ça. Ouais. Mais on a aussi quelques problèmes pour ce qui concerne le permis de travail. Jusqu'à maintenant, après un an de la grève, ouais, le permis de travail, on n'a pas encore réussi de le prendre.
C'est pour ça qu'on a, pris la décision de faire une association pour ce qui concerne les immigrés en général avec les 300 personnes qui ont fait la grève de faim et avec les Grecs qui vont être près de nous pour ce qui concerne les droits politiques et tout ça. Ok. Ouais. Alors, quelles sont les principales questions que vous avez abordées, les problèmes que vous rencontrez maintenant? Pour ce qui concerne quoi? Pour la création de cette association. Les problèmes qu'on a pour ce qui concerne cette association, ce sont ici en Grèce, et on a une autre association oui. qui ne veut pas qu'on fasse cette association. Elle veut avoir les 300 grèves de faim dans la partie de cette association. Ouais. Quand je dis partie, une partie politique. Ah, c'est un parti politique. Oui, c'est une partie politique, mais c'est une association, ouais. Mais il est avec une autre partie politique. Pour nous, ça m'intéresse pas. C'est une forme de récupération. On pourrait le dire que c'est une forme de récupération. C'est pour ça qu'on a dit stop, c'est pas la peine. Ouais. Nous sommes des immigrés, c'est nous qui avons fait la grève de faim. Ouais. On a le droit de faire entendre notre voix. Ouais. C'est pour ça qu'on voulait faire cette association, pour faire entendre notre voix à l'extérieur. Okay. Et quand je dis l'extérieur, je ne veux pas dire à l'extérieur de la Grèce, mais dans un pas, ici en Grèce, et pourquoi pas à l'extérieur de la Grèce, et pourquoi pas dans tout le monde. C'est pour ça qu'on est ici, on va faire notre association pour ce problème. Pour défendre tous les migrants en Grèce. Pour défendre tous les immigrants en Grèce, tous les immigrés, quand je dis tous les immigrés, ça ne m'intéresse pas d'où il vient. L'essentiel, c'est que c'est un immigré ici en Grèce, comme nous, et nous sommes prêts à défendre tous les droits des immigrés en Grèce. Ouais, ouais. Parce que quand on a fait la grève, nous avons fait une affiche qui dit, 300 personnes font la grève de faim dans le but de chaque immigré ici en Grèce pour prendre ses papiers, ses droits, c'est tout ça. D'accord. Ouais. Mais apparemment, il y avait quand même des discussions là, parce que si j'ai bien compris, à Athènes, il y a beaucoup de migrants qui viennent du Maghreb et aussi beaucoup qui viennent d'Afghanistan et du Pakistan. Oui, bien sûr. Ils ne sont pas trop ensemble pour l'instant. La question, c'est pas ça. La question, c'est chaque immigré, il croit les gens qui sont anciens ici en Grèce. Il lui dit, voilà, tu vas partir là, tu vas faire ça. Cette association ou bien ce parti, il pose de te donner tes droits et tout ça. Oui. Mais malheureusement, c'est juste... ils sont des menteurs. Je suis tellement désolé de leur dire qu'ils sont des menteurs, mais c'est ça la vérité. Okay. C'est ça la vérité. Okay, okay. Pour nous, pour notre association qu'on va les faire, on n'a pas l'intention ni d'apprendre de l'argent, ni d'avoir de bonnes relations avec le gouvernement. Ouais. Nous sommes contre le gouvernement parce qu'on sait très très bien que le gouvernement grec ne veut pas que chaque immigré ici en Grèce peut avoir ses droits. Ouais. Economic crisis, yeah. And we got to be together. Yeah. I mean, it's about time. We slept a lot and we didn't care about each other. Okay. But it's what we're doing now, it's resisting this system, this rotten system, in a different way. We neglect the money, their money. Yeah.
we think that we connect in a different way, yeah, exchanging things, as in the old times, you okay. know? Okay. Yeah. When people knew each other, okay, and they had relationships, yeah, human relationships. Okay. Anyway, this is what we keep doing. They cannot stop us because there is not any money here, yeah, so they cannot stop it. They tried, but they couldn't. We don't sell. We exchange books and we hope to exchange different kind of services in the future. There are other groups as well, concerning food, concerning building houses, or I mean whatever, or giving lessons, free lessons, and some other persons who are workers, they will exchange their work with not any money. Okay. And this is fantastic. I mean, if all the people started doing this, if they realized the strength and the power they have, yeah, then things will be much different. We don't need this kind of parties, political parties. Yeah. We don't need their banks. They can fight each other alone. We don't belong to them, but they take everything we had from us. This is the only way to resist depression, melancholy, and loneliness through fight. Fighting in a creative way, being with each other, yeah, sharing our problems and making something good out of it, which is the answer for the future, for us only. We hope that many more people will join this kind of thinking and ideology, because it's a different ideology and it's a different kind of movement. It's not organized in a strict way. People have the chance to express themselves in an autonomous way and be themselves. Με τομέα δράσης και εργασίας και τις δυνατότητες που υπάρχουν, όπως αυτό το παράδειγμα που λέει ο Αργύρης, ώστε να υπάρχει μια συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων και αυτό το πράγμα να ξαναρχίσει να θυμίζει κίνημα και όχι αποσπασματικές καλύψεις πραγμάτων ανακόνιμων. Θέλω να πω κάτι. Λοιπόν, να σερκρέλε το Παρλεμόν πάνω des jours, να occupé les centres, πάνω des mois, le cœur de la ville. Et ça s'est passé partout, dans les pays du sud, face à la Libye, jusqu'à la frontière turque, de l'est à l'ouest. Mais il y a des limites à la capacité des gens à lutter, surtout quand ils ont le ventre vide. Mais parce que maintenant, ils ont le ventre vide. Et voilà, c'est le moment pour montrer la solidarité. Et la meilleure solidarité pour les Grecs, c'est ouvrir d'autres fronts ailleurs. Mardi 7 février, peu avant l'annonce d'un nouveau tiers de mesures d'austérité, jour de grève générale. Ils étaient 20 000 à Thessalonique et à Athènes, sur la place Saint-Agathe.